Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 185 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Colin McRae Dirt 3. Dirt 2. J'allais dire Dirt 3, mais non. Dirt 3, on a déjà fait le test. On a fait Dirt Alone aussi. Et donc là, c'est le nom officiel, c'est Colin McRae Dirt 2. Donc, c'est évidemment un jeu de course, comme vous l'avez imaginé. Dirt, hein, si vous avez suivi quand même. Et puis même le nom en lui-même signifie tout. Donc, c'est un jeu de rallye. Tout simplement, Colin McRae Dirt 2. Rallye, course, c'est assez, assez polyvalent comme type de course. Donc voilà, appuyez sur Start ou Entrée pour commencer. Donc je veux me connecter, non. Sauvegarde auto désactivée, oui, c'est bien. Ça charge. Ah, chargement du jeu. Alors on voit un magazine avec marqué Utah à côté, là, un livre sur l'Utah. Et voilà. Imprègne-toi de l'atmosphère. Cette course était bien intense. T'as vu comment Ken se débrouille? Maintenant, il est temps pour toi de nous montrer ce que tu sais faire. Pour ça, il te faut ta propre caisse. La voici, Subaru Impreza STI. Mais c'est pas la Subaru de Monsieur Tout-le-Monde. Celle-ci fut jadis pilotée par la légende du rallye en personne, Colin McRae. Ça te fait une sacrée responsabilité. J'arrive toujours pas à croire que tu vas parcourir le monde dans ce vieux pot à yaourt. Enfin, il faut bien dormir quelque part. Ah, j'ai failli oublier. Il te faut fournir tes informations personnelles avant de pouvoir courir. C'est pour l'assurance ou les règles de sécurité, enfin, peu importe. Remplis-les et on peut s'y mettre. Ah, donc moi, évidemment, je m'appelle Sylvanus. En nom de famille, on va mettre Sage One. Au cas où il y aurait des curieux qui se diraient « Ah, mais c'est pas toi !» Si, si, c'est moi. Voilà. Mec, fille, pseudo, en nom audio, on va choisir un pseudo Rapido, par exemple. Rapido, ça a l'air sympa. Voici ta carte. Elle indique tous les emplacements des épreuves à venir. Tu gagneras de l'expérience en terminant des épreuves et des défis. Ta réputation grandira auprès des autres pilotes et ils t'inviteront à de nouvelles épreuves dans de nouveaux lieux. Ken a organisé une réunion pour les nouveaux à Londres. C'est l'endroit rêvé pour essayer ta nouvelle caisse. Alors fais ta valise, vérifie ton passeport et montre à l'Angleterre ce que tu sais faire. Bonne chance! Ah, j'allais oublier. L'épreuve londonienne est un rallycross, alors je ferai bien de te briefer. Pour résumer, il s'agit de réunir plusieurs voitures sur des circuits courts. Les circuits sont à moitié sur le bitume et à moitié en tout-terrain. Pour le reste, c'est facile. Fais tes tours et passe la ligne en premier. Voici un truc sympa qui pourra t'intéresser. Ça te permet de régler la difficulté de l'épreuve. Plus ce sera dur, plus tu gagneras d'argent. Choisis ce qui te plaît et en piste! Donc nous, pour nous, on va rester en mode facile. Les dégâts, on va les mettre juste visuels. Et réglage, on s'en fout, désactivé. Voici ton écran de sélection de voiture. C'est ici que tu choisis ta caisse pour l'épreuve à venir. Tu n'as que la Subaru pour l'instant. Alors, à moins de vouloir faire la course à pied, prends-la. Ah, voilà, on a pris la Subaru. En piste, mes caisses, nouvelles. Ah, les options, je voulais voir les options. Au niveau du graphisme, donc ouais, 366, hein, nickel. Affichage en kilomètres, compteur 1. Bon, ça a l'air pas mal. Des informations importantes, c'est parti, en piste. Oh.
on est parti pour la course. Alors, j'essaie de prendre en main alors un peu la direction de la voiture qui glisse assez facilement au sol quand même. Voilà. Hop là, c'est pas encore l'âge de... Oh, la preuve incontestable que j'ai jamais joué à ce jeu. Putain, c'est chaud à contrôler. Voilà. Hop. On va essayer. Ah, ta-da-ta. Faut pas tourner trop vite. Voilà. Ah, je suis dernier, mais on va essayer de se rattraper quand même. Quand j'aurai bien pris contrôle de cette petite voiture. Ouais. Oh là là, oh là 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 là. Bah top tout ça. Je touche un peu tous les bords. Heureusement que c'est que visuel. Sinon j'aurais déjà perdu tout le côté fun de la voiture. C'est-à-dire qu'elle partirait un peu toute seule. Comme la plupart des jeux. Souvent en fait quand vous allez vous avez des dégâts non visuels, en fait des vrais dégâts. Et ben la direction part en couille. La voiture elle avance bizarrement. C'est bizarre. Donc là, allez, maintenant que j'ai compris comment il fallait rouler. J'arrive facilement à rattraper un peu les autres. Alors, premier tour est terminé, me semble. Ouais. Hop là. Et on va sûrement les griller sur le reste. Voilà. Voilà. En tout cas, vu que j'ai compris maintenant comment rouler et que je me tape pas tous les bords, c'est déjà mieux pour avancer. Allez. Alors là, par contre, doucement ce virage. Doucement le virage. Voilà. Alors ils sont pas loin derrière moi, vous regardez à gauche les éléments graphiques en bas gauche qui nous permet de voir la distance qu'on a d'avance par rapport au circuit. Je suis sorti des barrières mais je rentre, c'est pas grave, tout va bien, tout est permis. Le vendredi tout est permis. Non c'est... ouais, on n'est pas vendredi. Non, pour l'instant je suis un petit peu en avance, on va dire de manière assez confortable. Et donc la ligne d'arrivée devrait pas être loin. Voilà. Ah non, donc qu'est-ce que je fais? Voilà, ligne d'arrivée avec le pétard, feu d'artifice, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Rapido, t'as sorti le grand jeu! Génial, t'as débloqué un nouveau véhicule. Rapido, t'étais intouchable sur la dernière épreuve. Salut, c'est Dave Mira. Viens donc bronzer un peu en Basse-Californie. C'était sympa de courir avec toi à Londres. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer le rallye? Le choix des puristes de la course souterrain. Tu pourrais venir en Croatie avec moi et voir ce que ça donne. Allez, donc on continue notre folle épopée. On va plutôt Croatie, on va plutôt partir au Mexique. Et on va se faire donc cette course-là. C'est parti. La conquête, c'est du lourd. Les circuits sont tous en tout terrain dans des stades, des arènes ou des paysages ouverts. Tu affronteras jusqu'à 7 adversaires avec un départ simultané. Les tracés sont vraiment serrés et fournis en sauts, bosses et tables. Tu peux choisir des véhicules de type Trophy Truck, Barat Série, Buggy Classe 1 et Red T1. Le gagnant est le pilote qui franchit la ligne le premier. Pour la difficulté, on reste en mode facile, visuel, on désactive et c'est parti. Donc mes caisses, nouvelles, options, mes caisses en piste. Oula, c'est plus ma petite voiture tout à l'heure, bon bah j'ai que celle-là, donc c'est parti, on va choisir celle-là pour la course. Rapido! Bienvenue en Basse-Californie. Chaleur torride et sable jusque dans les chaussettes garanties. Allez, on est reparti donc pour cette deuxième course. Cette fois-ci, on a changé carrément de véhicule. On va voir si ça donne à peu près la même chose au niveau de la tenue de route et tout ça. Oh là, déjà, on a des suspensions qui envoient du pâté. Bon, je m'attarde un peu sur les éléments graphiques. Donc le temps à gauche, le temps autour,
le nombre de tours, les positions à droite, 6 sur 8 par exemple. Mon temps par rapport aux autres avec les trois, hein, les bonhommes devant, derrière moi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, le mode facile qui est activé, en fait on le voit au-dessus du compteur que c'est un mode facile. Donc on peut même pas tricher et dire ouais on a joué en mode difficile et tout. Non, là j'ai joué en mode bien facile, avec les dégâts désactivés, et ainsi de suite. Le compteur en kilomètres heure, donc on voit quand même qu'on est assez rapide, et la vitesse, et le compteur tour, c'est beau. Voilà. Hop. Je les défonce un petit peu tous quand même là. Pour le coup, franchement, j'ai pas mal de chance sur les deux premières courses. J'arrive à facilement les doubler sans me faire trop coller. Donc là, en plus, les pistes sont larges. Hop là, premier tour terminé. On va se refaire un deuxième tour. Un deuxième tour pour la peine. C'est gratuit, c'est beau, ça coûte rien. Alors l'eau, ça ralentit. Comme tout, en fait, quand vous roulez dedans, votre véhicule, il perd un peu d'adhérence. Effectivement, voilà. Et il est un peu ralenti. Faut essayer de les éviter, mais en même temps, comme ils sont forcément dans les endroits où c'est que ça c'est le plus utile, où c'est que c'est le, ça serait le mieux qu'ils y soient pas, et ben voilà. Voilà. On se fait cette course tranquillement, hein, franchement, je suis tranquille. Les autres, bon, ils sont derrière, mais je vois pas trop, ils pointent pas trop leur nez, donc c'est bon. On peut continuer sur ce rythme. De toute façon, l'arrivée est imminente. Dans pas longtemps. Oui, imminente dans pas longtemps, ça veut dire la même chose. Voiture suivante, oui, elle est loin, c'est bon. On a une légère avance, faut juste faire attention que je me vautre pas. Si je me vautre, effectivement, ça va être compliqué. Donc voilà, la ligne d'arrivée est là, normalement je devrais pas avoir d'accident. Voilà, terminé. En plus, bah, super bien le ralenti là de l'arrivée avec la voiture qui rebondit. Trop bien fait. Voilà, on a terminé notre course. Résultat, course. Ah, youhou, chargement Mexique. Résultat de l'épreuve. Ouais. Hop, je gagne un peu d'argent. Allez, je passe level 2. Level 2, enfin, niveau 2. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Nouvelle peinture, j'ai gagné de la peinture. C'est beau. Nouvelle peinture. Tu viens de débloquer des trucs spéciaux. Nouveau jouet, crâne. Ah, peut-être être pour mettre dans la voiture, peut-être, je sais pas. Pour donner un style. Voilà. Oui, je suis intouchable. Il me dit que je suis intouchable. Ben oui, je suis un dieu, je sais. Merci beaucoup. Quelle modestie. Donc, on va aller faire donc l'autre course, la troisième. Donc, du coup, la Croatie. Allez, on va se faire hop, Croatie. Bienvenue dans le monde du rallye. C'est ici que Colin McRae a décroché ses lettres de noblesse. Une course directe de point à point. Le pilote qui décroche le meilleur temps l'emporte. On reste toujours en mode facile. Alors en fait non, je viens de m'apercevoir donc en voyant là que les petits logos qu'on voit au-dessus du compteur, c'est en fait c'est le flashback qu'on a de possible. C'est en fait les crashs qu'on peut faire. Subaru, condition d'entrée. Alors là il m'a acheté une voiture, donc je vais pouvoir la prendre même si j'ai assez d'argent si je voulais pour en acheter une autre. Donc prenons celle-là. Hop, c'est reparti avec ma petite voiture de la première course. Voilà. Et alors pour cette course par contre je vais vous laisser toute la vidéo, toute la course même d'ailleurs. Donc c'est parti, je vous laisse. Rapido, c'est la Croatie, les gens d'ici rigolent pas. Reste à ce rythme là autant que tu pourras et quitte pas la route. Voici la toute fraîche Cathy Justice. On le fait. Droite moyen. 60, droite moyen, long, devant ruine. Gauche rapide, 60. Gauche moyen, 40. Droite léger, 60. Gauche rapide, 80. Gauche moyen, devant maison, 40. Un coup de peinture. Épingle droite. Droite moyen, gauche serré.
épingle droite. Épingle gauche, pas corde. 100, milieu. Droite rapide, 60, milieu. Attention un peu plus loin, accident. Gauche léger, long. Vers droite moyen, gauche moyen. Droite léger. Gauche moyen. Vers droite léger. Roule. Gauche léger. Vers droite léger et gauche moyen, coupé. Droite moyen, pas corde. Gauche léger et droite léger. Et gauche léger, long, 60. Droite léger, vers gauche léger, corde. Droite moyen, 40. Gauche moyen, 60. Saut, 80, et arrivé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fini la course. Peinture pour toi. Regarde un peu toutes ces nouvelles épreuves. Tu commences à te faire un nom. Rapido, la prochaine rencontre est au Maroc. Dommage que tu sois pas encore au top. Fais tes heures et tu auras ta place sur la piste. Et donc voilà, on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Colin McRae Dirt 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.